L'athlète, c'est un sportif, c'est aussi un être humain. Si on travaille sur une identité, on travaille sur toute l'identité en entier, sur la personne. S'il est mieux dans ses challenges, s'il a moins de peur, bah forcément, il va mieux. Ils sont séduits par la méthode. Enfin, ils l'ont testé sur eux. Ils ne peuvent plus dire oui, c'est que du marketing et c'est que du machin. Non, c'est bon, ils l'ont testé, ils l'ont vécu. La dernière à qui je pense, qui est aux États-Unis, elle m'a dit j'aurais dû le faire depuis le début. Enfin, on part de la personne et on se coupe de lui. Mais qu'on connaisse ou pas le sport, on s'en fiche puisqu'on part de l'identité. Donc aujourd'hui, on est avec Noémie. Noémie, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Depuis 2020, non? Alors moi, je suis rentrée à l'académie en octobre 2020 en tant que cliente. Ouais. Et je crois que je t'ai jamais quittée après. J'ai jamais quitté l'académie. Je suis restée, j'ai fait des petites missions. Et je me suis formée en juin, je crois que j'ai commencé en juin 2021 avec toi. Ok, donc 2021. Ouais. Ok, bah top. Et aujourd'hui, bah, tu as accompagné, on en parlait justement en off. Aujourd'hui, c'est plus de 300 athlètes, sportifs, artistes, étudiants que tu as accompagnés. Ouais. Bah, déjà, ça devait quoi de te prendre ce recul-là? Et bah, tu vois, rien que te le dire, ça me met plein d'émotions et je me dis, mais ouais, le chemin quoi. Ouais. Tu vois, ça vaut le coup de regarder dans le rétro de temps en temps et de se dire, ouais, le chemin que j'ai fait, le chemin que j'ai... J'étais amené moi à faire, à amener les autres faire et tout, c'est juste fabuleux quoi. Donc c'est top, on va pouvoir en parler justement de ce chemin que tu as fait depuis ces années. Et en plus quand même quand on parle de quelqu'un qui a accompagné 300 sportifs, là on arrive sur un gros niveau d'expertise, que si on compte à peu près 10 heures par personne accompagnée, ça fait une expertise de plus de 3000 heures. Donc 3000 heures, donc là vous allez avoir quelqu'un aujourd'hui qui a du recul et du coup qui va pouvoir vous donner des conseils vraiment très pertinents. Déjà, peut-être un peu avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est ton parcours tout simplement. Si tu peux nous donner ton parcours, vu que tu as un parcours multi-casquette avec plusieurs vies en une. Ouais, déjà sportivement, j'ai toujours fait du sport, mais vraiment en amateur. Ouais. Sinon, sur le parcours pro, on va dire, donc j'ai une maîtrise de sociaux, un DESS management du sport dans lequel j'ai jamais travaillé finalement. Je me suis formée au recrutement sur le tas dans une entreprise à Paris, dans un cabinet de conseil sur les Champs-Élysées, la classe. Puis ensuite, je me suis retrouvée, je dis bien, je me suis retrouvée enceinte, hein, c'est pas grave. ça a été un peu pas prévu. Et j'ai découvert le métier de sage-femme et j'ai dit, ouais, 30 ans, rien à foutre, je vais faire médecine et je vais faire mes études de sage-femme. Donc j'ai repris mes études de sage-femme, j'ai fait ce métier-là pendant quelques années. Et puis après, il a fallu que je fasse un choix, parce que sage-femme, c'est un métier qui est très bien payé. Et j'étais cavalière en même temps, donc j'avais un cheval qui me coûte très cher. Et j'ai choisi, j'ai fait un choix dans ma vie de dire soit je continue à être sage-femme et je vends mon cheval, soit je garde mon cheval et je fais autre chose. Et donc, j'ai gardé mon cheval et je suis repartie dans le recrutement. Et voilà. Mais j'étais pas très, très satisfaite par mon métier. Enfin, j'avais l'impression qu'il me manquait un truc. Et puis sportivement, j'ai envie de dire, heureusement, ça s'est pas très bien passé. Parce que ça m'a permis de me tourner vers la préparation mentale et à tomber sur l'académie par hasard en plus. Donc, le plus beau hasard de ma vie, je crois. Oui, c'est vrai que tu as le parcours vraiment où tu as été cliente en tant que sportive à la base. Donc, c'était pas du tout prévu que tu finisses finalement coach. Non. Du coup, déjà, pourquoi tu as entre guillemets frappé à la porte de l'académie? Tu veux que je te dise la vraie vérité? Allez, disons la vraie vérité. En fait, ce qui est très drôle, c'est quand je suis tombée sur l'Académie de haute performance, je suis tombée donc sur tes vidéos YouTube en fait. Ouais. Et le premier effet que ça m'a fait, c'est que j'adorais ce que tu disais. Enfin, je me reconnaissais dans ce que tu disais. Hmm. Par contre, j'aimais pas la façon dont tu le disais, tu m'agaçais. Depuis, j'ai dépolarisé, hein, tout va bien. Mais c'était marrant parce que pendant 2 mois, j'étais abonnée à ta chaîne YouTube. Ok. Je regardais toutes les vidéos et à chaque fois, je me disais « Oh, il m'énerve !» Mais je sais maintenant pourquoi tu m'énervais. C'est que je rêvais d'être à ta place. En fait. Ok, excellent. Sûrement, tu vois. Ouais. Suite à des dépôts, j'ai vu que c'était ça. Mais voilà. Et en fait, à un moment donné, le message est plus fort. Quoi. C'est tout ce que tu disais déjà dans tes vidéos en 2020. Ouais. Ça me parlait. Ça faisait même me chercher. Je me disais « Merde, il a raison. Ah ouais, bah ça, je le ressens. Ça, je l'éprouve. Ça, ah ouais, c'est exactement moi. » Bon, j'ai dit à un moment donné, je vais prendre un appel. Quoi. Ça ne sert à rien de rester là-dedans. Et voilà, et je suis tombée sur Alex, pour pas le nommer, qui,
qui a très bien fait son boulot et j'ai dit bah vas-y on y va, on fonce et on avance. Je me rappelle plus exactement, est-ce qu'à ce moment-là t'as suivi une formation en trois lettres en préparation mentale, est-ce que t'avais déjà suivi cette formation ou Je l'avais commencé. Tu l'avais commencé. Je l'avais commencé, mais moi c'est pareil, j'ai commencé cette formation de préparation mentale à trois lettres pour moi. D'abord en tant que sportive, en me disant bah, si je vais apprendre des billes pour moi. Et avec cette petite espoir au fond de moi, en fait, je pense que j'avais déjà ce rêve, si on peut appeler ça comme ça, de devenir préparateur mental, sauf que j'avais ni les mots, ni je ne savais pas. Mais j'avais cette envie-là d'accompagner des sportifs, mais j'avais ni les moyens, ni de savoir comment, ni pourquoi. Et puis en plus, la légitimité va accompagner quelqu'un quand toi-même tu merdes, tu vois, c'est compliqué de dire tiens je vais t'aider, alors que t'es pas capable de t'aider toi, donc j'étais vraiment dans ce syndrome de l'imposteur, tu vois, de je me forme et en même temps j'y crois pas trop et je vais d'abord m'aider moi et puis on verra après quoi. Ok, et là à ce moment-là, cette formation déjà, qu'est-ce qu'elle t'avait apporté? Rien que je ne savais déjà. Ok. Ça a mis de la forme dans ce que je savais déjà, mais les routines, enfin... Je pense pas trop m'avancer si je dis que tous les sportifs, on a des routines de toute façon, on a des habitudes, on a des espèces de rituels, des choses comme ça. Donc tout ça, je les avais déjà, des objectifs j'en avais, qui étaient smart, tout ce qu'on peut dire. Tout ça, je l'avais déjà. Ouais. Je me disais pas, je vais aller faire les JO à cheval. Je savais déjà que j'avais une progression à faire avec mon cheval, au saut d'obstacle, etc. Donc j'étais déjà là-dedans, j'ai rien appris. Okay. J'ai appris juste à les poser peut-être plus et aujourd'hui je m'en sers plus du tout comme quoi. Mais c'était intéressant à apprendre, mais voilà. C'est tout le temps un apprentissage et ça donne des billes pour ceux qu'on n'ont pas. Et du coup, donc Académie de haute performance, là c'est qu'est-ce qui se passe dans le premier mois? Tu étais accompagné par Isa, je pense. Ouais, donc qu'est-ce qui se passe en deux mois environ, qu'est-ce qui se passe? Déjà premier mois, donc il y a les trois premières séances, première grosse claque où je me dis oh, c'est génial. Enfin, je me réconcilie avec mon frère, j'étais pas vraiment fâchée avec lui, mais j'étais bien, je lui en voulais pour des trucs et une dépôt terminée, je lui envoie un message, merci, enfin bref. Deuxième dépôt sur ma coach d'équitation que je mettais tout là-haut et pareil, ouais, et tout de suite, je le ressens sur mon cheval. C'est-à-dire que trois jours après, je vois déjà les résultats sur mon cheval et c'est ma coach qui me fait remarquer qu'il y a un changement, alors qu'elle ne sait pas ce que j'ai fait. Ouais. Donc d'ailleurs, la petite blague à la fin de la séance, elle me dit « Mais qu'est-ce que tu as fait pour… Ça fait 5 ans que je te répète la même chose, qu'est-ce qui fait que ça a marché aujourd'hui ?» Et je lui ai dit, j'ai cassé ton tabouret. C'était très drôle, du coup. Elle n'a pas compris, mais je vais vous faire le bouquin, mais sur le coup, elle n'a pas compris. Et donc après, troisième séance, pareil, grosse claque qui concernait plus ma famille. C'est marrant, on était sortis du sport, mais le tableau, plus sur ma vie de famille. Et après, tout ce qu'on fait après en dépôt, ce qui fait que j'ai fini le programme, je pense, en décembre. Ouais. Et en janvier 2021, du coup, je collais madame à mon bureau sans peur, sans rien, en disant « Bon, allez, salut les gars, je sais pas ce qui m'attend, mais en tout cas, je resterai pas avec vous. » Ok. Voilà. Excellent. Et alors, si vous me voyez écrire sur mon téléphone, j'envoie pas de texto. Peut-être que certains sont en podcast. C'est juste que je prends des notes pour la suite de l'interview, pour faire rebondir Noémie justement là-dessus. Et du coup, ensuite, tu te formes, quoi. T'attaques la formation qui n'existait peut-être pas encore non, d'ailleurs. Elle n'existe pas. Je suis un peu formée par Isa et par toi sur le tas où tu me donnes des petits conseils, mais en fait, vous n'avez ni l'un ni l'autre le temps. L'académie démarre et il y a quand même pas mal de boulot. Et je me dis, encore une fois, je me refais avoir par le petit syndrome de « mais j'ai pas de diplôme, je vais pas m'en sortir ». Et je me dis quand même, j'ai pas… C'est du coaching quand même. Il y en a qui disent ouais, coaching, accompagnement, machin. Et je me dis ouais, finalement, j'ai pas grand chose dans les mains. Ouais. Et je suis allée me former chez un de tes potes. Exact. Et j'ai jamais fini la formation parce qu'entre temps. Exact, c'est vrai. Donc j'ai commencé la formation et je pense qu'un mois après, tu m'appelles et tu me dis bon, Noémie, je fais une formation pour certains clients, pour les former à des polarisations. Enfin, c'est vrai que c'était une demande qu'on avait à l'époque vu que je formais pas. Et on avait des gens qui avaient déjà, tu vois, je pense notamment à Pascal qui elle a fait quelques formations assez solides en plus en coaching et pourtant elle voulait se former en dépolarisation. Ouais. Vous avez été une dizaine à peu près à me demander et donc je sais plus si c'était 2020 ou 2021. Non, c'était début 2021. Début 2021 où là avec Isa on s'est dit ok bon bah go, on crée la formation quoi. Ok, du coup si on reprend le fil, donc il y a ça, donc on fait la formation. Tu te formes du coup chez un de mes amis, tu vas pas jusqu'au bout. Et en même temps, du coup, tu démarres la formation de dépôt.
Et là, je m'investis à fond dans la formation. C'est clair. J'ai fait que ça, que ça. Et parce que je voulais, voilà, j'ai dit je ferais ça. Et avec déjà l'idée de monter une boîte, de dire ok, je vais vraiment m'installer en tant que préparatrice mentale, assumer avec la dépolarisation, puisque tu nous donnais du coup, grâce à la certification, l'autorisation de l'utiliser. Sauf qu'entre-temps, tu es venu me chercher en me disant « Bon, Noémie, vu qu'Isa, elle prend du galon d'un côté formation, est-ce que tu veux coacher pour nous ?» Et je t'ai dit « Bah, carrément. » Et voilà. C'était assez dingue. Et justement, dans la formation où tu t'es investi, on en parlait, j'en ai parlé avec Isa. Et je sais que moi, je te cite souvent comme exemple quand on me demande où les gens, ils ont du mal avec la dépolarisation. Et je disais « Noémie, c'est une de celles qui a plus… » suivi le process, genre en mode je l'apprends jusqu'à le masteriser. Et ce qui permet après, quand on avance, du coup, de pouvoir sortir du process et de mettre l'intelligence là où elle doit être. Et du coup, tu passes de… donc, tu démissionnes, tu te formes chez nous en dépolarisation, on t'envoie le premier athlète. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment quand on t'envoie le premier athlète? Ah, déjà, je suis hyper fière. Okay. Enfin, tu vois, il y a un double truc, j'ai peur. Enfin, tu vois, je me rappelle, je me dis, là, c'est pas toi qui es en jeu. C'est pas Noémie, c'est l'académie. Je représente l'académie. Ah oui, c'est vrai. Oui, et pour moi, l'académie, c'est quand même quelque chose d'important. Ça le reste. Hein. J'ai eu beau faire tout ce que je voulais, mais c'est quand même très important pour moi. Mais ouais, une grosse fierté. Et puis l'envie de m'investir, de me dire, ok, là, c'est. Voilà, je joue dans la cour des grands un peu, tu vois. Okay. Et je veux le faire bien. Et ouais. Donc, mais tu m'en as pas encore envoyé qu'un. En fait, ça a fait un. Et je pense qu'en un mois, j'en ai pris 7. Ouais, ok. Donc, c'est vrai que tu es monté vite en expérience, du coup, avec des feedbacks qu'on te faisait avec Isa et moi. Donc, c'est vrai que moi, j'ai vrai que j'ai un côté. Alors, même si j'ai un master en sciences humaines à côté, c'est marrant, j'en parlais ce midi ou la personne qui me disait ce midi, mais en fait, Pierre, j'ai l'impression que tu vois, à l'université, tu t'en fiches un peu. C'est pas que je m'en fiche, c'est que les diplômes que j'ai eus, moi, je préfère la pratique à la théorie. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que dans la formation qu'on avait et aujourd'hui qu'on a encore, c'est que les gens que l'on forme, directement, ils sont tutorés, directement, on leur demande de pratiquer, on leur demande d'envoyer nos vidéos et de faire un feedback. Et quand j'ai formé Isa, c'était ça aussi, c'était, elle faisait ses coachings, elle m'envoyait les feedbacks, elle m'envoyait ses vidéos, il y avait un feedback, toi, on t'a formé comme ça aussi. Aujourd'hui, c'est un peu différemment, mais il y a toujours des tuteurs qui suivent. Donc, on a un truc qui est vraiment très terrain. Et toi, justement, sur le fait que, justement, tu n'es pas de master en psychologie ou de doctorat en psychologie, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en dis, tu vois, si demain, tu vois, je parlais l'autre fois avec une personne qui disait, mais est-ce que tu es psy et tout? Je dis, non, moi, je ne touche pas déjà à ça. Moi, j'accompagne juste les gens à se libérer d'une charge émotionnelle la manière la plus efficiente possible. Pourquoi la manière la plus efficiente? Ça veut dire la manière la plus écologique pour l'autre. À enlever ces blocages. Toi aujourd'hui, tu dirais quoi si demain on disait mais vous êtes qui, Noémie, pour accompagner des gens? Alors déjà, ce qui me fait rire, c'est que j'ai accompagné une docteure en psychiatrie. Oui, c'est vrai, exactement, c'est toi qui l'as accompagnée. Et là, j'ai accompagné très dernièrement 3 psys. Oui. Donc c'est le métier, quoi. Donc et on reconnaît bien nos différences. On fait pas le même boulot. Comme si il vient traiter des choses, nous on vient coacher, on vient accompagner, on vient débloquer les choses. C'est pas du tout les mêmes. Pour moi, c'est pas le même métier. Je me revendique pas du tout psy. Je suis pas psy. D'ailleurs, aucun de nous à l'académie se revendique psy. On est juste des accompagnants ou des préparateurs mentaux ou des coachs ou des ce que tu veux. Mais on n'est pas sur les mêmes trucs, quoi. C'est clair. Et même si on traite des choses qui sont en lien, des fois, effectivement, des fois ça se croise, des fois on a des choses, on a des choses qui, des gens qui nous ont dit, ah j'ai fait 10 ans de thérapie, et en fait en coaching, en 2 séances, c'est terminé. C'est clair. Bon, ça me fait hyper plaisir, mais on n'est pas sur le même boulot, on ne fait pas le même boulot. Ouais, il n'y a pas la même intention. Voilà, exactement. Et c'est pas du tout la même façon. Enfin, nous, on écoute, mais. drive, quoi. On vient se faire péter le blocage. On met les pieds dedans directement. Et c'est pour ça que les gens, c'est important qu'ils soient prêts. Ouais. Tu vois? Ah oui. Justement, est-ce que tu vois un... Alors, avant de poser cette question, déjà, est-ce que c'est quoi le feedback que tu as de la docteure en psychiatrie ainsi que les 3 psys que tu accompagnes, même si j'ai celui de la docteure en psychiatrie vu qu'on est assez souvent en contact. C'est quoi le feedback que tu as, leur retour? Pour parler de la docteure en psychiatrie, ce qui est marrant, c'est que maintenant elle fait du sport à assez haut niveau, en fait. C'est clair. Donc ça, c'est hyper drôle, qui est en lien avec ce qu'on avait travaillé justement en séance, donc c'est
Enfin, moi, c'est un super cadeau qu'elle me fait sans vouloir me le faire, mais voilà, c'est génial, je trouve. Et puis oui, c'est autre chose. Elle le voyait et elle le disait. Ça la mettait de temps en temps, je pense, un peu dans le mal par rapport à ce qu'elle voit. Je pense qu'elle voyait des choses qu'elle pouvait faire péter très rapidement chez ses patients en dépolarisation, mais sous prétexte d'être dans un justement un truc très universitaire, très avec des, enfin, voilà, toute une notion de d'apprentissage, de code, oui, de machin. Oui. Bah, elle peut pas le faire, donc voilà. Les psys que j'accompagne, ils sont ravis et bah, d'ailleurs la plupart rentrent en tech dépôt derrière. Hein. Ouais. C'est pas pour rien, c'est que ils sont séduits par la méthode. Enfin, ils l'ont testé sur eux, ils peuvent plus dire oui, c'est que du marketing et c'est que du machin. Non, c'est bon, ils l'ont testé, ils l'ont vécu. La dernière à qui je pense, qui est aux États-Unis, elle m'a dit, elle me dit, mais c'est fou quoi, si j'aurais dû le faire depuis le début quoi. Enfin, et maintenant, bah voilà, elle va se former sûrement en septembre, sur la promo de septembre, et voilà, elle a trouvé un truc efficace, efficient, qui ne crée pas de dépendance. Qui ne crée pas de dépendance. Et ça c'est hyper important pour moi et pour les gens. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a il peut y avoir une dépendance affective, c'est-à-dire un affect qui se crée entre le coach et... Oui, des fois, il y a des... Je suis pas psy, donc je peux avoir des liens avec les gens que j'accompagne. Il n'y a pas de transfert, contre-transfert, tout ça. Enfin, de ce que je connais, moi, ça se fait pas. Mais il y a des liens. Mais il y a cette autonomie qui font qu'après trois mois de coaching avec nous, il y en a qui partent et ils font leur vie et ils reviennent de temps en temps nous donner des nouvelles. Ouais, j'ai réussi ça, j'ai fait ça. C'est clair. C'est génial, quoi. C'est clair. L'autre fois, justement, je disais sur un média où il y a des docteurs en université, un en particulier qui disait en prise. Mec, pourquoi en prise? Parce que nous, on a les gens que trois mois maximum, en fait. Toi, ça te fait... Enfin, déjà, sur cette notion de se libérer rapidement, t'en penses quoi, toi, aujourd'hui? Ah bah que oui, c'est possible. Ouais. Ça fait 300 personnes que je teste. Donc, Okay. Alors, on va pas libérer peut-être toute une vie. Il y a des... Non, bien sûr. Vu qu'on évolue, on a des challenges à hauteur de notre évolution. Et même nous, on est face de aussi, temps en temps à des challenges un peu nouveaux. Maintenant, je remarque que moi, je me challenge aussi beaucoup plus sportivement dans des trucs qui n'étaient pas du tout dans mon... que je me pensais incapable de faire. Aujourd'hui, c'est ce que je vis, c'est génial. Donc, mais j'ai des challenges à la hauteur et j'ai des blocages à la hauteur de ces nouveaux challenges. Mais sauf que maintenant, j'ai le truc pour... moi-même me les débloquer et puis... Et justement, sur tout à l'heure, tu vois, tu disais, par exemple, tu as bossé sur ton perso. Et déjà, est-ce qu'en bossant sur ton perso, il y a eu des conséquences sur le pro et sur le sport? Oui, mais c'est évident, pour moi, on est une cellule. Enfin, on est plein de petites cellules, si tu veux, mais on est un... Moi, je suis Noémie, je suis plein de choses, mais... je suis à la fois la maman d'eux, la femme d'eux, la collègue d'eux. Je suis plein de choses. Donc, tout l'impact que ça a eu sur le perso avait un impact sur le sport, qui avait un impact sur mon pro, qui avait... Je pense que j'aurais pas démissionné si facilement si j'avais pas le soutien de mon conjoint qui m'a soutenue parce que d'un coup il a cru à ce qu'on faisait alors qu'avant il a dit mais qu'est-ce que tu vas faire à l'académie de haute performance c'est quoi cette secte il me l'avait bien dit et voilà et en fait il a vu tout l'évolution il voit ce que je fais maintenant enfin et lui il est là mais il voit les gens que j'accompagne des fois je lui glisse 2-3 noms parce qu'il les connaît au moins de réputation il est là c'est ouf, voilà, il est... Oui, parce que tu as accompagné des gens qui sont champions du monde, tu as accompagné des gens qui vont aux Jeux Olympiques 2024, vu que maintenant j'ai autant en 2021, c'est moi qui avais accompagné toutes les personnes qui ont été aux Jeux Olympiques et qui ont ramené les médailles aux Jeux Olympiques en 2021, autant aujourd'hui, vu que moi j'ai beaucoup moins de temps, j'ai passé le flambeau à toi, la Isa, flamme, ouais, exactement, aux autres coachs. Donc on a une quinzaine de... À l'heure où on fait cette vidéo, on a une quinzaine de personnes qui sont en liste pour les Jeux. J'ai deux questions. Et la première, c'est est-ce que tu aurais imaginé accompagner des athlètes de aussi haut niveau? Non. Non, c'était... En fait, l'académie m'a permis d'arriver à un niveau déjà de certitude. C'est-à-dire que moi, personne ne m'impressionne maintenant. Je peux quand même avoir une petite pincée d'admiration pour les gens, mais personne ne m'impressionne. Ou en tout cas, j'ai jamais ce truc de « Oh, ouais, mais lui, il est à ce niveau-là, je peux pas l'accompagner. » Que tu sois champion du monde de foot, bon, rien à faire. Oui, c'est vrai que tu as accompagné un footballeur pro, d'ailleurs, qui a énormément, quelques centaines de milliers de followers sur Instagram. Oui, puis qui a quand même témoigné il n'y a pas très longtemps pour nous, qui a mis un petit message pour un autre jeune footballeur.
Il y a des liens en plus qui se passent entre les coachés, et c'est quand même assez cool aussi, même s'ils ne se connaissent pas, ils soutiennent. Donc, il y a, outre ce qu'on fait, il y a aussi cette petite communauté via Facebook qui est agréable, ou via les coachings de groupe. Mais non, j'aurais jamais imaginé avoir accès à des gens comme ça. Non, bah, non. C'est vrai qu'on a la chance, des fois, on accompagne des gens et tu vois le nom, tu fais oh, putain. Ah ouais. Et du coup, bah, maintenant, c'est un peu plus habituel, mais c'est quand même tout le temps une petite touche de, en mode hey, viens chez nous, quoi. Ah ouais, et puis viens chez nous. Et puis il y en a un dernièrement, vu que voilà, c'est dans un sport que j'aime beaucoup, j'ai dit celui-là, il est pour moi, quoi. Genre, j'ai dit à tout le monde, celui-là, c'est moi. Je l'accompagne. Personne ne le prend, il est pour moi, c'est mon cadeau, quoi. Excellent. Et c'est génial, enfin, vraiment, c'est top. Et du coup, tu vois, des fois, c'est vrai qu'il y a des gens, alors que ce soit du haut niveau ou du moins haut niveau, tu vois, c'est vrai qu'au début, alors maintenant un peu plus, parce qu'on fait plus de témoignages sur les gens qui sont de moins haut niveau qu'avant, c'est vrai qu'avant, les gens n'osaient pas des fois prendre un appel avec nous ou dire on va rentrer à l'Académie d'Haute Performance parce que je suis qui, j'ai pas le niveau. Toi d'ailleurs, c'était un peu ton cas aussi. C'était grave mes questions, ouais. C'est quoi, selon toi, les points communs ou les différences de blocage entre les gens qui sont à très haut niveau et ceux qui sont à moins haut niveau? C'est les mêmes. C'est les mêmes à des niveaux de challenge différents. Okay. En fait, je me rends compte que, et j'ai envie de te dire, au-delà du sportif ou l'être humain, on a tous les mêmes problèmes. Donc, en gros, que tu travailles avec un jeune tennisman de 14 ans, avec un sportif de très haut niveau de 30 ans, quelqu'un qui est au sommet de sa carrière, qui est en train de tout gagner, ou... la nana qui est un peu perdue dans sa vie et qui cherche ce qu'elle veut faire, les problématiques sont les mêmes, quoi. Et c'est juste des façons différentes de les aborder, mais finalement, on voit des grands traits communs, ils sont polarisés sur les mêmes choses. Ouais. C'est juste une différence de niveau. Ouais, exactement. Donc, c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que peu importe le niveau dans lequel on est, que ce soit sportif, entrepreneurial, artistique, j'ai fait le tour. En fait, les blocages sont les mêmes, c'est juste des niveaux à chaque fois de différents. Exactement. Par rapport à là où on en est. Et des milieux, et des niveaux, mais c'est vraiment... Et puis, par contre, ce qui est génial, c'est que j'ai beau dire, je suis hyper fière d'accompagner des sportifs de haut niveau, et effectivement, j'adore accompagner des sportifs amateurs et les voir se dépasser, parce que à leur échelle, ce qu'ils sont en train de gravir, c'est énorme, et la reconnaissance, elle est même peut-être parfois plus forte. Ouais. Donc, en tant que coach, c'est aussi agréable. Enfin, vraiment, c'est un vrai plaisir, quoi. Le sportif de niveau, et je ne critique pas parce que j'étais exactement comme ça à l'époque. Le sportif de niveau, en général, il a son résultat, il t'oublie, tu vois. En gros, OK, next, tu vois. Et moi, je sais que j'étais comme ça à l'époque. C'était en mode, je prenais ce que j'avais à apprendre chez les gens et je passais à autre chose. Et je sais que pour certains entraîneurs, des fois, ça peut être vraiment difficile parce qu'ils disent, mais lui, il m'a lâché ou il ne me donne plus de nouvelles. C'est que tu lui sers, c'est que dans ses perceptions, il voit plus sous quelle forme tu vas lui apporter et du coup, il te next en fait, pas parce qu'il t'aime pas, juste parce que lui, il est focus sur son objectif. C'est ça. Et alors que c'est vrai qu'un sportif amateur, vu que c'est moins important le sport intrinsèquement, eh bien du coup, probablement que c'est ce qui fait qu'il crée plus, enfin, il a plus de reconnaissance, il a vécu un truc de ouf. Ouais, et du coup. Puis leurs progrès sont. Enfin, tu vois, quand tu es un sportif de haut niveau, il est déjà haut niveau. Donc, il vient gratter des millimètres. Ouais, c'est clair. Il y a des gens, ils viennent gratter des mètres. Ouais. Tu vois, et moi, en obstacle, j'ai gratté, c'est pas des mètres quand même, mais c'est des centimètres, quoi. C'est-à-dire que physiquement, à l'obstacle, c'était trois trous. Quand tu sais, on met des barres et trois trous de plus, quoi. Bah, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est donc, énorme. Ça représente 15 centimètres. C'est beaucoup. OK. Et sur l'état de bien-être des sportifs qu'on accompagne, parce que tu vois, l'autre fois dans le Figaro, il y a quelqu'un qui disait, une personne qui avait plutôt un diplôme universitaire, qui disait, l'Académie de l'Haute Performance accompagne à la performance, mais on ne sait pas ce que ça donne niveau bien-être. Donc, toi, tu répondrais quoi, justement, la question de bien-être et performance? Je répondrais, l'athlète, c'est un sportif, c'est aussi un être humain. Si on travaille sur une identité, on travaille sur toute l'identité en entier, sur la personne. S'il est mieux dans ses challenges, s'il a moins de peur, forcément il va mieux. Enfin, pour moi, c'est indissociable. Ouais. On travaille pas que sur les performances. Ça, c'est ce qu'on, c'est le nom de la boîte et ce qu'on vend. Mais on travaille même pas du tout sur la performance. Ouais. On n'est pas responsable. Moi, je suis pas responsable que la personne, elle a gratté ses 3 millièmes de seconde sur les minima pour les JO. Par contre, qu'elle se sente bien avec, qu'elle l'ait fait ou pas, ça c'est hyper important. Au niveau santé mentale, c'est quand même un peu dans le cœur. Ça y est, ça devient au cœur de la tourmente et tout le monde en parle. Mais
Oui, eh ben, il est OK de ne pas avoir fait ses minima et il ne va pas se jeter du pont neuf, quoi. Il est OK, il dit bah, je vais faire plein d'autres choses et ça va être cool. Et en fait, bah, bien sûr qu'on travaille sur le bien-être. Ok, Voilà. et justement pour toi, en quoi le bien-être va jouer dans la performance sportive? Comment tu le vois? Bah, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme dans tout, quoi. Quand tu es bien, en fait, tout va mieux, quoi. C'est que Ok. t'es plus aligné avec ce que tu fais. Si t'es bien dans ce que tu fais, c'est que t'es aligné avec ce que tu fais. T'es OK? Et du coup, si t'es aligné avec ce que tu fais, bah, c'est que t'es bien dans ce que tu fais. Donc forcément, tu vas prendre plus de plaisir et tu vas avoir plus de résultats, presque. Tiens, je me rappelle d'une triathlète. Et elle était focalisée sur son chrono à vélo. Voilà, c'était un truc. Voilà. On fait sauter ça. Elle fait un entraînement et son coach il lui dit: je te préviens, ce tour-là, tu me le fais en tant de secondes. Et elle lui dit: bah ou pas. Et elle se casse sur son vélo. Elle a gagné, je crois, 7 secondes en l'impression de ne pas appuyer sur les pédales. Il n'y a pas de vent, c'est pas une question de. Vraiment. Et elle me dit, quand son coach, donc il arrête le chrono, il dit: tu te fous de moi en fait. T'es méga prête et tu me fais croire que tu t'en fous. Elle dit non, vraiment, je m'en foutais. Vraiment, c'est réel. Et elle a pété ses performances comme ça. Donc, Et justement, quand on fait la séance sur le prix à payer, souvent les gens, des fois, ont peur de se dire, ah, mais si je vois trop d'inconvénients, mon objectif, je vais arrêter. Tu vois, et justement, comment t'expliquerais cette notion du paradoxe à quelqu'un et... bah, c'est juste que si t'es prêt à l'abandonner, c'est que c'était pas si important. Point. Et donc, tu vas trouver dans les bénéfices à lâcher, d'autres bénéfices qui vont t'enrichir, quoi. Donc c'est juste, si les gens ont plus font tomber ce rêve du piédestal, mais gardent l'envie d'y aller en disant mais quand même, enfin, tu vois, ça me plaît, quoi. C'est ce qui m'anime dans la vie. Il va y aller, hein. Prêt à payer ou pas, il est OK avec le prêt à payer. Et en plus, il va se réénergiser dedans. S'il n'est pas OK avec le prêt à payer, il va s'arrêter et il sera peut-être mieux dans ses baskets, quoi. Ouais, du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que le paradoxe, c'est que plus on va avoir d'inconvénients à notre objectif, au même degré que les bénéfices, plus justement on va y aller juste parce que ça nous fait plaisir d'y aller, et pas pour se dire, bah, le jour où j'aurai Je la vais être médaille, heureux. je vais être heureux. Parce que ce qui se passe quand il y a ça, c'est que derrière, le jour où ils ont la médaille, bah, des semaines ou des mois après, ils voient que finalement, ok, ils ont eu la médaille, mais rien n'a changé. Du coup, bah, il y a l'état de dépression ou de mal-être qui peut arriver. Ok, tu vois, ce serait quoi je sais pas, si tu avais un conseil à donner à un sportif qui s'entraîne beaucoup et qui n'arrive pas à performer, justement, qui regarde ou qui écoute cette vidéo, ce podcast? Déjà, peut-être qu'il se réinterroge sur ce qui est important pour lui au moment où il est dans ses difficultés. Est-ce que le sport est toujours aussi important? Si entre-temps, je sais pas, il a pu être, il ou elle d'ailleurs, je sais pas, être père de famille, mère de famille, a pu perdre quelqu'un de proche. Est-ce que le sens de ce qu'il fait aujourd'hui a le même sens que il y a 6 mois, 1 an, où il était hyper motivé, hyper performant? Je pense que déjà, remettre cette priorité, est-ce que ce truc est toujours prioritaire? Après, bah, est-ce qu'il y a des peurs liées à ça? Est-ce qu'il y a des enjeux qu'il voit trop fort et il se dit, ah, il est plus dans la peur? Moi, je dirais de venir à l'académie, ses problèmes. Mais voilà, non, mais déjà qu'il se réinterroge sur, OK, la place de mon sport dans ma vie. Est-ce que c'est toujours aussi important? Ou à chaque fois que je dois m'entraîner, je me dis, ah, merde, mon fils, je vais laisser mon petit avec sa mère. Tu vois, des choses très, presque bateau, mais pas oublier que les sportifs, surtout les professionnels, c'est leur métier. Et il y a ça aussi. Est-ce qu'ils ont toujours du plaisir? Tu vois, le footballeur que j'ai accompagné, un jour, quand je lui ai dit, une des questions que je lui ai posées, c'est pourquoi tu fais du football? Il m'a dit parce que c'est mon métier. Et j'ai dit, eh ben, on l'a le problème. T'as plus de plaisir à jouer. Il m'a dit, non, j'ai que peur. J'ai peur de pas marquer. J'ai peur d'être viré de l'équipe. J'ai Et peur de pas forcément, être il y a tous les sélectionné. enjeux Voilà. autour. Et on a remis le plaisir. J'ai dit, OK, pourquoi t'as fait du foot à 8 ans? Et en fait, on a travaillé dessus, on a refait une dépolarisation là-dessus. Et le match qu'il a fait après, quand il m'a appelé juste après le match, il m'a dit, j'ai pris du plaisir comme un môme de 8 ans avec un ballon. J'ai joué au ballon. Et il a marqué 3 buts. Alors il m'a dit, ce qui est très drôle, c'est que j'ai fait 27 actions. Il a tenté 27 actions dans son match. Il en a raté 24. Mais il met 3 buts et c'est l'homme du match. Excellent. Et juste parce qu'il s'est éclaté sur le terrain. Il m'a dit, j'ai essayé des trucs, il s'est fait pourrir par son coach, parce qu'il a tenté des tirs à la bécane, au milieu de terrain, évidemment que ça passait pas. Mais il s'en foutait, c'était OK, il s'est amusé. Et voilà.
Excellent. T'as une histoire comme ça d'un sportif qui t'a plus marqué, que t'as accompagné, qui bloquait dans son sport et tout, et toi tu l'accompagnes et paf, ça explose derrière? Ah, en fait, j'en ai plein et en même temps, c'est 300 personnes quand même. Ouais, Donc, c'est vrai que t'as dû. j'en ai plein et en même temps, ces histoires se mélangent. J'ai presque envie de te dire moi. Tu vois, enfin, cette légèreté. Parce que moi, je parle de moi ou des cavaliers parce que la particularité du cavalier, c'est qu'on est deux. Voilà. C'est un sport Ouais. individuel avec un cheval. Okay, avec ce cheval, c'est un être vivant. Ouais. Qui est le parfait reflet de notre inconscient, puisqu'il fuit toujours l'inconfort pour aller vers le confort. Un cheval, s'il acceptait qu'un humain lui monte dessus, c'est qu'il a compris que grâce à l'humain, il pouvait bouffer sans faire 35 km par jour. Donc il a accepté que l'humain lui monte dessus, je te garantis. Excellent. Ouais. Donc en fait, on est dans cette relation-là. Mais le cheval, il se force pas. Lui, il aime pas. Il n'a pas de cortex préfrontal. Donc le cheval ne OK. décide pas. C'est un animal, c'est une proie. Donc il est dans la fuite ou dans le confort, mais voilà, il est que là-dedans. Et il n'y a pas de il m'aime, il n'aime pas mon cheval, il n'y a rien à faire de moi, quoi. Par contre, il trouve du confort avec moi, ou il n'en trouve pas, et dans ces cas-là, il fuit. Pas Et donc, intéressant. il faut qu'il trouve du confort à faire ce que je lui demande. Donc, et s'il ne trouve pas de confort, il va m'envoyer chier, il va me faire OK. tomber, etc. Et c'est ça qui m'a permis la dépolarisation, c'est d'arriver en me soignant moi, enfin en me soignant, en dépolarisant moi, l'impact sur le cheval était flagrant, quoi. En termes de bien-être, en termes de forme, en termes de musculature. Ouais. J'ai réussi à, tu vois, comme si ça se répondait, quoi. Alors c'est OK. complètement inconscient, Ouais, c'est mais clair ça que c'est s'est inconscient. répondu. Et il y a quand même un des grands cavaliers français, un des plus titrés, qui disait la préparation mentale, ça devrait être obligatoire chez tous les cavaliers. C'est vrai. Parce qu'ils ne sont pas tout seuls, quoi. Et Ouais, ouais, c'est et ça. Et donc. quand t'as dit soigner, derrière, la notion, c'est plus quand on va se Prendre libérer des soin, peurs, ouais, etc., c'est ça. qui sont Prendre les soin de siennes. soi, en fait, c'est tout Ouais, ça, quoi. Plus exactement. vivre dans nos peurs, dans nos Ouais. appréhensions et tout ça. Ok. À l'Académie de l'Haute Performance, on est vraiment une. On travaille, voilà, peu importe le sport, peu importe si c'est entrepreneur, sport, peu importe la discipline, bah voilà, on suit le process. Et c'est vrai que des fois, les gens peuvent dire ouais, bah moi j'aimerais quelqu'un, je fais tel sport et j'aimerais du coup être accompagné par quelqu'un qui fait tel sport. Et je sais qu'au début de l'Académie, quand j'avais plus le regard sur tout le monde, je faisais attention à ce que. Si un coach faisait par exemple du tennis, bah on mettait pas le sportif qui fait du tennis avec ça parce que je voulais qu'il n'y ait pas de projection, etc. Et voilà, je voulais vraiment qu'on sépare la partie mentale et ça. Toi aujourd'hui, tu dirais quoi? Quelqu'un qui dit ah, mais je veux être absolument suivi par quelqu'un qui a fait le même sport que moi ou qui est spécialisé dans ce sport-là? On n'est pas là-dessus. Ouais. Enfin, je veux dire, ton sport, c'est ton entraîneur sportif qui Voilà, va, ou c'est ton ça. coach qui va s'en occuper. Nous, on est là pour s'occuper de toi, ton identité, Ton tes identité, peurs, exactement. etc. Ouais. Donc, que tu fasses du tennis, que moi, que je sois cavalière, ou que tu fasses du foot, enfin, voilà, moi, j'ai accompagné, je sais pas, au niveau des. Faudrait que je fasse un référentiel de tous les sportifs Ouais. différents que j'ai accompagnés. Ouais. Il y en a plein, enfin, C'est clair. même des sports que je connaissais pas, tu vois, du tir, Ouais. des choses que j'ai jamais fait et que je ferais peut-être jamais, accompagner des gens à la pétanque, enfin, tu vois, non mais c'est très drôle quoi, et des sports fous. Et moi je me suis intéressée à tout ça d'une Ouais. façon ou d'une autre, mais je connais rien en sport, donc et quand je connais, c'est pas pour autant que je projette quoi, Ouais. parce que la problématique du cavalier avec du cavalier avec son cheval par exemple, ou du trailer ou machin, bah c'est sa problématique à lui, mais moi pas forcément les mêmes déjà, même dans le même sport. Ça c'est clair. Et C'est clair. puis on ne projette pas en fait, on part de la personne et on Ouais. s'occupe de lui. Mais qu'on connaisse ou pas le sport, on s'en fiche puisqu'on part de l'identité On du parle coup. de l'identité en effet. Et donc voilà, la question c'est que nous, une fois qu'on a l'identité justement de gagnant, bah derrière les résultats, faire avoir à chaque fois, c'est la même chose. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure cet entretien? Merci Pierre quand même, parce que il y a 4 ans, c'était pas gagné. Et Là, c'est 4 ouf, ans, ouais. 4 ans, ça ça passe va faire vite. 4 Une ans en fin Olympiade. d'année, ouais. Donc non, ouais, mais bah ouais, mais je vis ma meilleure vie et c'est cool, Cool, quoi. bah, écoute, ça fait plaisir à entendre. Là, à l'heure où on fait cette vidéo, là aujourd'hui, on est en plein séminaire des techniciens de dépolarisation, c'est-à-dire des gens que l'on forme à notre pratique. Donc on a une quarantaine, on est complet. Et voilà, donc j'en profite moi pour interviewer les coachs qui sont dans l'académie depuis maintenant quelques années pour voilà, avoir le recul. Donc si ça vous a plu, bah, vous pouvez liker, commenter, partager. Dites-nous si ce format vous plaît, si ça vous dit que j'interviewe encore plus de gens que justement qui accompagnent au quotidien d'autres sportifs vers la performance ou des entrepreneurs ou des artistes.
Voilà, donc c'est fini pour cet entretien. Merci Noémie, en tout cas c'était vraiment top. Et pour les autres, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais que vous devenez. Ciao!